Salut à toi, amateur de rap, et bienvenue dans la critique de Linst. Dans cette critique, on va écouter différents albums en première écoute d'artistes connus ou pas trop. Et le but, c'est d'être objectif. Même si je sais que voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc forcément, il y en a qui seront d'accord avec moi et il y en a d'autres qui seront pas d'accord. Mais je le répète, l'essentiel est d'être objectif. Enfin, d'atteindre l'objectivité. Puisque voilà, forcément, si j'aime pas des fois, bah, c'est assez contraignant. Et aujourd'hui, l'artiste qui a l'honneur est Lafouine. Bon, il est connu, tu le connais à mon avis, pour son nouvel album Nouveau Monde, qui est son 7e album et son 6e album solo. Puisque voilà, on va pas trop compter l'album d'Alchim BS, puisque Alchim BS c'est un groupe à part entière. Alors cet album, on est actuellement le 9 mars 2016, il est sorti le 4 mars 2016, donc 5 jours après. Je vais l'écouter. J'ai pas écouté d'autres critiques sur internet, donc mon avis il est pas fondé encore. Mais j'ai entendu dire, surtout dans Funny Story, il avait fait un petit aparté où il disait que son nouvel album ça serait plus chanté. Tu vois ce que je veux dire? Lafouine, on sait qu'il rappe, en même temps il chante, un peu comme Sopra, voilà. On connaît ce genre d'artiste. Moi personnellement, si tu veux mon avis sur ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est bien fait. C'est-à-dire que les sons comme Du Ferme, bon, Du Ferme c'est un peu à part, mais c'est un peu chanté. Ou les délires de Soprano, j'aime bien. Mais voilà, que ça soit un peu dans la vibe. Si c'est trop à part, je suis pas fan du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère te mettre au courant avant que tu me dises ouais, non. Mais pour ma deuxième critique, j'ai choisi Lafouine tout simplement, puisque ça va être un vrai test. Les albums chantés en général, j'aime pas trop. Voilà, je préfère te prévenir d'avance, j'aime pas trop. On va voir comme c'est Lafouine, peut-être qu'il peut nous surprendre. Mais ce que j'ai entendu par-ci par-là, l'album est pas très bien. Donc après. Je vais me faire mon avis et après vous allez débattre, voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est ça la critique de Linst. 15 tracks pour un album, ça va. 15 morceaux, c'est potable. Avant de finir cette partie, je pense qu'on pourrait rapprocher le plus cet album de Lafouine Kotlaouni, où il y avait une partie rap, bon rap sale, avec des street bangers qui envoient du lourd. Et noir, pire, noir, genre noir, tu sais qui c'est. Sans respect, je fais faux équipes sur ma mixtape. Couche toi au sol. Il pleut. Mais j'ai mon KOE. Ouais, j'ai mon KOE. 2011, les vrais le savent. Et une partie chant où je te dis clairement, j'avais pas écouté cette partie chant puisque j'aimais pas à l'époque déjà. C'est parti pour Lafouine, Nouveau Monde, premier titre. Nouveau Monde, voilà, c'est ça te met direct dans l'ambiance. Comme souvent, c'est le choix des artistes de mettre leur nom d'album dans le premier track pour refléter un peu l'album, comment il va être, les sonorités, etc., le thème. Tout se base sur le premier morceau, en fait, si tu remarques bien. C'est parti, Lafouine, Nouveau Monde. Les temps sont durs, on verra demain. Faire des choses déloyales, tout ça pour payer loyer. J'ai grandi sans mère, moi, suis-je un enfant noyé? J'investis dans la pierre, car j'ai grandi sur le ciment. Comme un homme qui se noie, je vais mourir en silence. Voilà, Nouveau Monde. Bon, ce que j'en ai pensé, franchement, ça m'a surpris. Je te dis clairement, ça m'a surpris. Bon, peut-être puisque je m'étais déjà dit, ouais, l'album, il va être chanté, etc. Tu vois, j'avais des préjugés. Ce premier titre, il m'a plu. Pourquoi je veux dire il m'a plu? Puisque pour les anciens, il me rappelle, on est tous les mêmes. On n'a pas la même vie, mais on a les mêmes mains. Nanana. Bon, peut-être que voilà. Moi, quand je te dis comme ça te rappelle rien, mais je te mettrai le son pour que tu t'en souviennes. On a les mêmes comptes en banque, mais pas les mêmes sommes. On a les mêmes frigos, mais rarement les mêmes repas. On a les mêmes voix, mais jamais les mêmes débats. Voilà, ça m'a rappelé ce titre, c'est-à-dire que c'est du rap chanté. Tu sens que voilà, ça amène une mélodie par derrière, due grâce à l'instru. Elle est très lourde, l'instru. Et due aussi par le refrain. Un environnement, un thème que tu dis, tu rentres dans le move, tu vois ce que je veux dire. C'est Nouveau Monde. Je pense que par là, il voulait dire, voilà, c'est un nouveau truc qui arrive. C'est peut-être un changement dans sa carrière. Le mec, il a tout réussi, c'est bon. Il a fait Popstar, touche pas à mon poste. Il a écrit des livres, il fait des tournées de partout. Voilà, le mec, il se met bien, tu vois ce que je veux dire. Il a des enfants. Le délire, c'est qu'il va pas rapper du sale. C'est bon, je pense que ça l'a assez gavé de rapper que sur du sale. C'est une musique pour dire, vas-y, réussis, cousin. Bouge-toi les dos du cul, réussis, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, très bon son. Ça revient bien l'album. Deuxième son, Sans ta voix. Ah le bâtard. Sans ta voix, deuxième morceau de ce Nouveau Monde. Putain,
Grosse tuerie aussi, putain, c'est un truc de ouf, hein. Je m'attendais pas, franchement, moi j'étais comme toi, je me suis dit, bon, vas-y, l'album, ça va être encore un truc. En fait, faut te mettre dans le move, tu vois ce que je veux dire? C'est un album à thème. Chaque titre, il y a un thème. Si tu rentres pas dans le thème, c'est sûr que tu vas pas kiffer. Sans ta voix, déjà, il parle de sa mère. Je sais pas si vous savez, mais voilà, il a perdu sa mère. C'est un morceau hommage. Et donc, ça ressort vraiment un effet nostalgique, tu vois? Je sais pas pour vous si vous avez perdu un proche ou quoi, mais ça peut vous évoquer ça. Et c'est un morceau qui peut te toucher. Donc, forcément, si ça te touche, t'apprécies. Tu vois, si t'es dans cette move, comme je t'ai dit, nostalgique, si t'es dans un délire, je suis joyeux et tout, ou si t'es dans un délire, je suis énervé, t'as envie de la grosse trap et tout, passe ton chemin. Tu vois ce que je veux dire, ce morceau n'est pas fait pour toi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est encore rappé, mais il y a une mélodie autour. Ça veut dire que c'est du rap, mais ça amène quelque chose de mélodique. Si je peux rapprocher à un morceau, ça serait Qui peut me stopper, son classique. Je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Et de toute façon, ça explique le même truc, hein. Voilà, il est parti de rien. Maintenant, il a connu le succès. Et son seul regret, c'est que voilà, il a pas pu mettre bien sa mère. Puisque quand elle est partie, bah, il avait pas tout ce succès. Donc, sans ta voix, très bon son. 3. Insta feat l'artiste, je l'avais déjà écouté. J'ai déjà mon avis dessus. Bon, c'est assez con pour être objectif, mais j'ai déjà mon avis dessus. Donc, peut-être que si je le réécoute, ça va faire la diff, je sais pas. En tout cas, troisième son, Insta. Ah oui, et je tiens à dire, une petite aparté, mais je tiens à dire que là, dans les critiques de l'Inst, j'écoute tous les sons en entier. Que c'est parti, Insta feat l'artiste. Insta feat l'artiste. Bon, là, le fait que je l'ai écouté, je sais pas, là, je suis joyeux, là, tu vois, je suis dans un move, ça y est, là. Là, je suis chaud. J'ai envie de faire des pompes, tu vois ce que je veux dire. La première fois que je l'avais écouté, j'étais pas dans ce move-là, bah, puisque j'avais, voilà, j'écoutais de la grosse trap et tout, du coup, je tombe sur Insta. Pas dans ce move, ça m'a pas plu. Là, en l'a réécoutant, franchement, c'est un son de boîte. Bon, clairement, je vais pas faire le mec, ouais, il y a une atmosphère. C'est un son de boîte, frère, tu vois ce que je veux dire. Faut pas se voiler la face ou se dire non, non. C'est un son de boîte, c'est-à-dire que c'est un son fait pour bouger. Les paroles, les rimes, c'est des rimes simples. Ça veut dire que les punchlines qu'il te fait, c'est des punchlines à fouine, c'est des punchlines carambar. Nanana, nanana, nanana. Bon, voilà. Mais c'est un son de boîte. Yeah, on va pas s'étendre dessus. Quatrième son, argent sale. Argent sale. Et c'était sale. Sur le coup, le titre, j'avais pas reconnu. Mais quand j'ai écouté les premières notes, j'ai reconnu. Il avait déjà clippé ce son. C'est pour ça que, en fait, je le connaissais déjà. Bon, clairement, il a pompé faux à Young Thug. Est-ce que c'est un crime? Oui et non, c'est-à-dire que voilà, c'est toujours chiant que tu vois que un son que t'as apprécié, qu'en fait il est pompé sur un autre. Mais le délire, c'est pas le seul rappeur qui fait ça. Ça veut dire que dans le rap, c'est monnaie courante de pomper sur les ricains ou quoi. Donc, tant que tu kiffes, en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Tant que tu kiffes, frère, ne cherche pas à comprendre le dé de voilà. Kiffe, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Trois trucs. Elle envoie des i. Ensuite, il y a sale gosse. Demande un boss. Ensuite, le troisième, c'est fais l'argent sale. Fais là, chante ça. Voilà, comment se décompose le morceau. Go trip, chanté à la fouine. Franchement, il est très bien fait. Et qu'aime ça, par intérêt.
crasse. Même si j'aime ça les bitches, j'aime les fouteux, les chèques, j'aime les rageux, les petits kiffent mes couplets, moi je suis fier d'être un rompeux et je suis... Par intérêt, cinquième morceau de Nouveau Monde. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mitigé dans le sens où, voilà, il a niqué le son. Clairement, pour moi, il a niqué le son. Putain, l'instru est déterminé au max. Au max. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut l'honorer. Il a très bien honoré jusqu'à un certain moment, je sais plus, c'était quelle minute, ça envoie des... Non, de pas intérêt. Et là, tu vas te dire, derrière ton écran de PC ou de tablette ou de mobile, mais l'inst, tu t'es bien ambiancé sur les deux premiers morceaux de l'album. Et pourtant, c'était des sons chantés. Écoute-moi bien. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est que dans un morceau, on t'ambiance à balle, à balle, à balle, à balle. Et d'un coup, ça te refroidit. Là, c'était pareil. Le rythme à la section d'assaut, toutes les instruments de section, c'est les mêmes. Ça fait... Voilà, c'était ça le BPM. Et ça, c'est un BPM rapide. Ça veut dire que... Arrête de klaxonner. Ça veut dire que quand il rappe, ça rappe vite, ça rappe sale. D'un coup, ça va vite, le rythme... T'as pas de temps de t'adapter, tu vois, t'es un être humain. Ça va pas, le contraste, il est trop fort. Dégoûte, j'aime pas ce truc comme ça me dégoûte. Putain, franchement là, ça m'a déçu. Très clairement, ça m'a déçu. T'as vu ma tête, de toute façon. Allez, passons, sixième son, trap. Ils veulent tous faire de la trappe, moi je suis né. Moi je suis né, moi je suis, moi je suis né. Moi je suis né, moi je suis, moi je suis né. Putain! Voilà la fouille qu'on aime. Tu vois, tu me déçois, mais après tu me mets bien. Non, effectivement, il raconte un peu vite fait, hein, quand même. Sa vie d'avant, genre Greg Fritz, voilà, etc. C'est pas ça le but de ce son. C'est vraiment de dire, les gars, vous faites la trappe, ok, ben moi j'y suis né. C'est ce que je veux dire, c'est un jeu de mots, c'est juste puisque trappe le courant musical et trappe sa ville. Voilà, c'est c'est con, mais c'est... Attends, j'ai... Ce mec là se casse pas la tête. C'est vrai que la trappe c'est vite fait, mais c'est un courant musical à pas négliger. Déjà de une, puisque ça marche au taquet. Bon, peut-être puisque voilà, c'est pompé directement sur les ricains qui l'ont inventé. Mais de toute façon, ils ont tout inventé dans le rap. Ça fait masse de vues. Ça veut dire que tout le monde kiffe la trappe, cousin. Tu vois ce que je veux dire? Même la fouine, ils sont chassés sur de la trappe. Tout le monde kiffe la trappe. Donc même si tu négliges, cousin, respecte un peu. Respecte un peu. En fait, c'est bizarre puisque c'est de la trappe, mais sur une instru un peu aérienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, ça rend bien. C'est de la fouine, cousin. Franchement, ça rend bien. Et gros son. Coup de cœur de l'album, cousin. Coup de cœur de l'album. Septième son. On arrive quasiment à la moitié de l'album. Es-tu validé? Je m'attends à un son que je kiffe pas en général. Voilà. On verra bien, mais bon, je le sens mal ce son. C'est parti. Es-tu validé? Septième son de Nouveau Monde, es-tu validé? Non, je m'attendais à pire. C'est un son d'été, ça veut dire que là, j'ai bougé ma tête vite fait, puisque voilà, c'est l'instru, le flow, t'ambiance. C'est comme les sons de Jules, faut que tu fasses, tu vas bouger la tête. Même si t'aimes pas, tu bouges la tête un peu. Cet été, si tu me le mets dans la voiture, ça va kiffer de ouf, ça va s'enjailler. Après, par contre, niveau sonorité, ça m'a fait vraiment, vraiment penser à Balader de Sexo d'Assaut. Validé, na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 , validé. Bon, peut-être que validé et balader, ça se ressemble, mais c'est aussi le style de flow et la répétition que ça m'a fait penser à ça. Et aussi Rosa, de Gradure. Rosa, 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 Rosa. Ce style de son, ben là, pareil, et tu valides, c'est un peu flamenco, c'est fait pour danser, tu vois. Carrément, tu peux danser le flamenco dessus. J'attrape une go avec des talons, et là, tu la fais caliente. Donc, clairement, son d'été, et tu validé. Est-ce que je l'ai validé? En été, je le validerai. Pour le moment,
On attend la confirmation du jury. La suite de la deuxième partie qui est déjà disponible. N'hésite pas à lâcher ton like pour soutenir et à switcher sur la deuxième vidéo pour finir la deuxième partie de Nouveau Monde.